Shalom chez vous, c'est le pasteur Adassa, votre humble servante, qui vient encore partager avec vous la parole du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur parce que cette semaine, c'est la semaine de Pâques et nous nous remémorons ce que le Seigneur avait fait pour nous à la croix. Il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». En prenant la Sainte Cène. Et j'ose croire que chaque famille se souvient de l'amour manifesté à la croix pour nous, par notre Seigneur. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous ce grand thème sur la traversée. J'ai tiré ça de l'histoire des enfants d'Israël en Égypte. De leur sortie. Et lorsque nous parlons de la traversée, nous voyons trois choses. Premièrement, il y a le passé. Deuxièmement, il y a l'obstacle à franchir. Et troisièmement, il y a l'avenir qui s'ouvre à nous. Et par la grâce de Dieu, nous allons commencer aujourd'hui par parler de notre passé. Vous savez, la Bible nous dit, c'est Paul qui le dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais lorsque nous allons lire dans Exode 12, Exode 14, l'histoire de la sortie des enfants d'Israël, vous comprendrez avec moi qu'ils ont laissé leur passé en Égypte. Et c'était quel genre de souvenir? C'était un souvenir humiliant pour eux. Parce qu'ils venaient de vivre des années d'esclavagisme. Mais un jour, le Seigneur s'était souvenu d'eux en leur envoyant Moïse. Et c'est Moïse qui a amené la traversée dans la vie des enfants d'Israël. Vous savez, pour traverser la mer Rouge, il faut laisser tout derrière soi. La mer Rouge est là, l'obstacle est là, mais tu dois laisser ta vie passer. Lorsque nous parlons du passé, nous voyons beaucoup de choses, beaucoup de choses. Jésus a rencontré la femme samaritaine. Il lui a posé la question. D'abord, il lui a demandé l'eau à boire. Et puis après, il lui a posé la question où était son mari. Et après, Jésus a parlé avec elle de son passé. Et au finish, il lui a donné la solution pour son avenir. C'est ça la rencontre avec le Seigneur. Lorsque nous parlons du passé, nous voyons nos familles, nous voyons d'où nous sommes venus, nous voyons le milieu par lequel nous vivons, parce que chaque milieu a son esprit. Chaque milieu a un géant qui domine. Et ce géant-là marque la façon, ou bien le péché qui domine l'endroit. Donc si tu es enfant de Dieu, tu dois connaître ces choses. Tu vis dans quel milieu et c'est quoi le géant qui domine là où tu vis. Pour bien combattre, il faut connaître son adversaire. Si tu connais ton adversaire, tu combattras mieux et tu vivras la victoire. Et chaque milieu a de l'influence sur chaque personne. Et lorsque nous parlons du passé avant de recevoir le Seigneur, parce que la solution c'est Christ dans le cœur. Nous prêchons dans les églises. Nous vous prêchons maintenant. Mais je ne peux pas te dire, lève-toi, abandonne ta vie de péché. Abandonne la femme que tu as. Abandonne, abandonne, abandonne. Oui, même si je le dis, mais je sais que toi là, tu n'as pas la force d'abandonner. Même si tu te décides d'abandonner, le péché ne va pas te laisser. La chair ne va pas te laisser. Le diable ne va pas te laisser. Lui, il va te
lui va te poursuivre jusqu'à ce qu'il va vouloir t'achever. Mais lorsque nous parlons d'abandonner, cela veut dire j'abandonne pour m'attacher au Seigneur. J'abandonne pour suivre le Seigneur. Parce que si le Seigneur n'intervient pas, si le Saint-Esprit ne te donne pas la force, toi et moi, nous n'avons pas la force de vivre la vie chrétienne. Nous n'aurons pas la force de dire non à l'immoralité. Nous n'aurons pas cette force-là. Parce que c'est Jésus qui nous aide à prendre cette décision. Si Jésus fait son entrée dans ta vie, ton passé deviendra sale. Paul dit, les choses qui étaient gain pour moi, aujourd'hui je les vois nulles. Elles sont devenues futilité, inutile. L'alcool, la bière qui m'aidait hier à oublier, aujourd'hui, je vois ça sale. Les femmes, les hommes que je cherchais hier pour me satisfaire, aujourd'hui, je vois l'immoralité sale. C'est devenu passé. Bien-aimé, là où tu es, tu dois laisser le passé pour affronter l'obstacle et vivre ton avenir. Aujourd'hui, Dieu a mis une pause dans nos vies. Il a mis une pause dans le monde pour que nous puissions réfléchir. Les choix que tu fais aujourd'hui ont l'impact sur ton avenir. Si tu veux réussir demain, commence aujourd'hui. Si tu veux devenir millionnaire demain, commence aujourd'hui à épargner. Même 100 dollars, même 50 dollars, commence à épargner aujourd'hui. Si tu veux bien te marier demain, commence à arranger ta réputation aujourd'hui. Heureusement pour nous, lorsque Jésus fait son entrée dans nos vies, tout redevient nouvel. Les choses anciennes sont passées. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Le passé, c'est la vie sans Christ. Une personne sans Christ est un homme animal qui n'a pas de frein, qui n'a pas de sens. Qui n'a pas de volonté, qui est dominé par le péché. Les enfants d'Israël ont abandonné les oignons, les concombres. Dans le désert, ils se sont souvenus de ça. Oh, si nous étions restés là-bas. Est-ce que vous pouvez imaginer un homme qui est devenu libre, mais qui se souvient des concombres? Il veut rentrer dans l'esclavagisme à cause du manger. Aujourd'hui, nous négligeons notre salut. Ou bien nous vendons le salut à cause du matériel. Aujourd'hui, l'homme-là qui t'a amené au restaurant, il est où? Il est chez nous. Celui qui t'a poussé à fuir l'église, il est où? Elle est où? Vous êtes séparés. Le confinement va nous aider à bien penser, à bien réfléchir et à bien prendre des décisions. Où sont les amis? Tu es maintenant seul face à ta vie. Tu as bousillé ta vie pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est ton temps maintenant. Lave ta robe, comme le dit Apocalypse. Que le Seigneur te trouve avec une robe propre, une vie propre. Tu peux y arriver. Jésus dit, il est à votre avantage que je m'en aille, afin que vienne le Saint-Esprit. C'est lui qui vous enseignera, c'est lui qui vous conduira, c'est lui qui vous emmènera, c'est lui le Saint-Esprit qui va nous aider à vivre, c'est lui qui nous aide à vivre la vie chrétienne et à vaincre le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, ton passé ne peut pas condamner ton avenir. Laisse que tu puisses puiser dans ton passé pour que ça te donne la force d'aller de l'avant. Il faut voir des passés comme le passé de David.
devant Goliath, il se souvient. Hier, j'avais combattu le lion, j'avais combattu l'ours, j'avais gagné parce que le Seigneur m'avait donné la victoire. Même devant Goliath, j'aurai la victoire. Que ton passé ne te régresse pas. Le Seigneur est là pour t'aider à aller de l'avant. Je ne te condamne pas. Que personne ne te condamne. Le sang de Jésus est là pour nous purifier. Tu as droit à une deuxième chance. Papa, tu as droit à une deuxième chance. Maman, tu as droit à une deuxième chance. Qui te condamne, ma soeur? Même si tu as fait des avortements, qui te condamne? Le milieu dans lequel nous vivons, l'endroit que nous sommes, la ville de Goma, là où nous vivons. Le diable domine par l'inceste, l'immoralité, les divorces, la méchanceté, les coups bas, jalousie, les tueries, n'en parlons pas. Tout le monde sait que dans l'Est, on tue. Il y a le poison. Mais nous pouvons vaincre cela. Que ce moment nous pousse à réfléchir. Hier, j'étais mauvaise, je l'accepte. Mais aujourd'hui, j'ai le choix. Et je fais le choix. Je me repens. Je vais changer de vie. Je fais le choix, je me repens. Je vais pardonner. Hier, j'étais liée. Hier, j'étais esclave de la bière, de l'immoralité, des fétiches, de l'idolâtrie. Oui, j'étais esclave, je l'admets. Mais aujourd'hui, je prends la décision de recevoir Christ, de devenir une nouvelle créature. Jean le Baptiseur disait quoi? Répentez-vous, race de vipères. Lorsqu'on parle de la race, on voit une génération. Lorsqu'on parle de la race, on voit une famille. Sois le Moïse de ta famille. Sors du milieu d'eux. Fais parler de Christ. Choisis la vie aujourd'hui. La Bible dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Quel est ton passé? Vous savez, aujourd'hui, le diable a volé la vie de plusieurs. Il y a d'autres qui ne vivent plus, qui ne réfacent seulement qu'à leur passé. Oh mon Dieu, pourquoi j'avais fait ça? Oh mon Dieu, il ne se souvient plus de ça. Si tu demandes pardon, sincèrement, il n'est pas un homme. Dieu n'est pas comme ton pasteur. Dieu n'est pas comme ton mari. Dieu n'est pas comme ton papa. Dieu n'est pas comme ton ami. Il est Dieu. Il ne se souvient plus. Crois en son amour. Mon frère, avance. Avance et affronte cet obstacle qui est devant toi. Avance vers la mer Rouge. Moïse est déjà là toute la nuit. Il a étendu sa main. Il est là, il intercède pour toi. Il est là. Il parle à la mer pour que lorsque tu vas te réveiller le matin, tu puisses marcher. Le Seigneur Jésus est là. Il intercède pour nous. Il a amené les disciples avec lui pour prier une heure. Lui, il est parti prier. Et puis après, il est revenu, il leur a dit, vous n'avez pas pu tenir même une heure. Lui, notre intercesseur par excellence, il est là, il intercède pour nous. Le Saint-Esprit est là, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Mon frère, que ton passé ne te condamne pas. Que ta famille ne te condamne pas. Tu n'es pas ton père. Tu n'es pas ta mère. Tu es toi. Si aujourd'hui tu prends la bonne décision, tu vivras ta vie et tu marqueras ton temps à cause de ta décision. Fais le bon choix et tu vivras le miracle de Dieu. Ton avenir t'attend. Quel est le choix que tu vas faire? Choisis bien tes amis. On n'impose pas les amis. Quel est le choix que tu vas faire? Choisis bien la femme que tu vas épouser.
Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui aussi va entrer dans ton passé demain? Fais très attention à ce que tu fais du don de la vie que Dieu t'a donné. Choisis bien le travail que tu vas faire. Choisis bien tout ce que tu vas faire. Choisis bien que Dieu ait sa part dedans. Bien-aimé, le passé est passé. Rahab, c'était une prostituée. Elle n'avait même pas le droit d'entrer dans la généalogie de Jésus, selon l'intelligence des hommes. Mais à cause du choix qu'elle avait fait. Oh, moi j'aime le choix, c'est un risque. Fais le bon choix. Risque avec le Seigneur. Parce que lui, il ne perd jamais. Mon frère, quel est le choix que tu vas faire aujourd'hui? L'accepter ou pas? Croire en lui ou pas? Il dit dans Apocalypse, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Les enfants d'Israël ont cru. Ils ont mangé à la hâte. Ils se sont levés. Ils ont pris leur sac. Ils ont pris leurs biens et même les biens des voisins. Ils ont commencé la marche, mais il y avait la mer rouge. Devaient-ils retourner ou bien affronter? Que Dieu te bénisse, que le Seigneur qui exauce les prières t'aide aujourd'hui à te séparer de ton passé et à avancer. Que mon Dieu te soutienne.